Et bonjour à tous, Hugo, pour la suite de notre let's play sur Jacques Tiekkar. On se dirige, je ne sais plus trop où, en Banyan, je crois. Je vois des mines, j'obtiens de la thune. Je me rends là où je dois me rendre. C'est là que je devais me rendre? Bizarre, je me rappelle plus que c'était là que je devais me rendre. Ah, un autre contrat de voyage, parfait. Où est-ce que vous voulez aller? Humayon. Non, Badashka. Par là. Badashka, est-ce que je fais voyager tout Badashka? Ouais, je vais voyager tout mon camp. Allez. Parfait. J'ai excellé en plus. C'est quoi ça? Ah, les voyages de Tiekkar de Saint-Malo. Jusqu'à 60. J'ai visité 80 lieux intéressants. Votre niveau de gloire est au moins rayonnant. Est-ce que j'arriverai bientôt à rayonnant? Ouais, je suis. Rose vers rayonnant. Dès que je serai rayonnant, je ferai ça. Vraiment, histoire de. Allez, un petit contrat, histoire de garder de la thune et de devenir en plus rayonnant. Attends, mes gars, ils sont beaucoup trop efficaces, ça y est. Une vie de gloire. C'est assez chaud. Ça, c'est bien. J'obtiens tout ça. Ah oui, je devais essayer de me trouver une femme. Je vais essayer de faire ça après. Je peux faire naître une légende. L'héritage d'Arthur Pendragon. Mais tu crois que j'ai la thune? Oui. Des provisions de l'or. Est-ce que t'as petit régiment d'hommes d'armes? Combien d'or? Pour voir. 97. En provision. Ça fait gagner un peu de temps. Allez, ça devrait être bon. C'est tout. J'ai gagné du fric. J'ai gagné des trucs. J'ai gagné du machin. Maintenant, je vais essayer de gagner le cœur de mes partisans. Toi, tu vas. Patatata, j'ai des gens qui m'aiment pas là-dedans. Toi, on va essayer de nouer une amitié avec toi. Mais c'est tu es une très belle femme. Mais tu es déjà mariée. Toi, tu as 26 ans. Toi, tu as 12 ans. Ah, mais t'es tellement sociable et compatissant, tout ce que je recherche. Tu connais Mountain Blade 2? Ouais, je connais, mais j'ai moyen accroché, on va dire. Bon, écoute. Ça veut dire quoi, ça? Criminel connu. Avec moi. Allez. Je suis fiancé avec cette jeune fille. Allez hop. Et toi, je vais essayer de nouer une amitié. J'ai grande chance que ça passe. Non, je vais garder mes sceaux pour l'instant. Ok. Où m'emmène ce petit voyage? Bamiyan. Bamiyan. Ah, oh, c'est chiant. Ah, il y a un truc là. Bouddhas de Bamiyan. C'est où ça? Genre j'ai déjà vu tout à l'heure. Bon, j'ai envoyé tout le camp, mais c'est pas grave. Putain, ça s'est fait vite, hein. Allez, on va tenter avec elle aussi maintenant. Ok, demande. Des provisions, j'en ai pas mal. Bon, allez, encore des provisions. Quoique, t'as peut-être des hommes d'armes? Non, t'as rien, toi, t'es un roturier. Allez, des provisions. Et le second aussi. Oh, toi, tu m'as l'air.
m'as l'air un type qui pourrait avoir des hommes d'armes, genre des Ayar. On va essayer. Pied de taille en armure. Non, ça c'est mes alpinistes. Je garde mes alpinistes. Pied de taille en armure, je m'en fous un peu. Une chasse au trésor, allez, pourquoi pas. Est-ce que quelqu'un pourrait être compétent? Ok, un sorcier, ok. Par contre, t'as de la bonne prouesse, toi. Edayat. Edayat, je vois du potentiel chez toi. C'est où? Oh putain de peu cher de con de merde de ta race! Où que tu m'emmènes, salaud! Oh grand Dieu! Oh ta race! Eh ben on va faire ça à ma façon! Allez hop, c'est parti! Puis ici, 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 puis ici, puis oh putain, il y a des liens intéressants tout le long là. Ici, ok, et au retour. Tu vas passer par ici. Tu vas passer par là. Tu vas passer par là. Ouais, ça fait un détour un peu con hein, parce que je voyais pas le truc, mais bon, c'est pas très grave. Tu vas passer par là. Les murailles, c'est intéressant. Et là, tu vas passer par en haut, mon gars. Ok, on n'est pas trop mal. On va enlever recherche de talent. On va mettre des mercenaires, comme ça on est bien. Et on va faire le voyage. Ça va être très long. Dès que je serai rayonnant, je dis. Obtenir du fric tout le long en plus. Je noue des amitiés à l'autre bout du monde. Doucement, j'ai vu la grande cité de Shira, j'ai vu plein de trucs. Wow. J'ai vu des mosquées, j'ai vu beaucoup trop de choses. Bonus énorme, allez hop. Ah, un mausolée. Il y a un mausolée ici? Ah oui, le mausolée de l'imam Ali. Allez, je deviens auguste. Beaucoup, beaucoup plus de prestige. Là, j'ai dû voir quelque chose. Non, même pas. Ah, si. Palais de. Maison de la Chazelle. J'ai vu tout ça quand, moi. Ah, ça. Maison de la Chazelle. Intéressant. Alors, qui n'est pas mon ami là-dedans? Toi, on va faire en sorte que tu deviennes mon ami. Oh, le fric.
Allez, c'est moi qui te friendzone maintenant. Wow, wow, wow. Alors, plaît-il, par contre, j'ai perdu mon chasseur, là, si j'ai bien calculé. Chasseur. Bien voir mieux, quand même. Je sais pas, mieux que lui. Enfin, j'ai un excellent maître des chenilles. Allez, dégage. Perte de provision, moins 50%. Évidemment que je te dégage. Chef porteur, perte de provision. J'ai quelqu'un de beaucoup mieux aussi, là, encore. Un Tenzing. J'aurais dû t'embaucher plus tôt. Garde du corps bonne, excellent, chasseur. Tu vas faire ça. Non, ça m'intéresse pas. Capacité de provision, ça m'intéresse. C'est tout le truc après qui m'intéresse. D'ailleurs, mon trait de voyageur, j'ai même pas vérifié, j'en suis où là? Ah ouais, vagabond, je suis au max. Et aguerri, j'avance pas mal. Déjà, je voyage beaucoup plus vite, j'ai une diplomatie de fou furieux. On veut pas. Hein. Alors, de l'érudition. Utilisation des provisions, moins 20%. Allez, hop. Par contre, érudition. Retenue, gain de stress. Gain de stress, c'est bien ça. Enfin, moins de gain de stress, je veux dire. Je suis pas encore rien, mais on s'approche. Hein. Ok. Je me suis mis bien. Je peux faire des demandes. On va faire un gros voyage du coup. J'aimerais bien des provisions. Mais en même temps, pas d'âme d'armes, pas d'âme d'armes. Ouais, un plein de provisions, c'est toujours bien, ça. Je peux retenter un régiment d'hommes d'armes. Cavalier en armure. En vrai, c'est pas mal, cavalier en armure. Ça bouffe un peu, mais... pas dégueu. Alors, bah, je pense que c'est l'heure de bouger, c'est quoi ça? Travaux de construction. Que j'attende jusqu'à ce que le bâtiment soit achevé. Ça peut être possible. Par contre, je peux me déplacer... par là. Je vais juste voir quels sont les lieux encore intéressants. Oh, faudrait que j'aille tout là. Non, je vais aller là et je vais remonter par le nord un peu, même si c'est surtout là qu'il y a des trucs intéressants. Là. Je vais me concentrer là-dessus. Hein. Dès que j'irai vers Jérusalem, je pourrais faire un petit tour. Ok. Donc on va là d'abord. Je pourrais faire connaître ma culture. Allez, attentionné. C'est pas mal, j'aurais dû faire ça depuis le début. Alors, ma femme, tiens. Qui a 14 ans. Et alors ? C'est l'occasion d'obtenir du prestige, en vrai. Si je fais le plus tôt, ce sera le mieux. Ah, je suis pas à 100% non plus. Je peux tenter. Excellent. J'ai un excellent fils, j'adore. Normal. Sinon j'ai pas le 100%. Ah, c'est pas trop long à faire, ouais. Je fais ça rapidos. Ok, pas mal. Rassembler les provisions. Allez. Je vais envoyer mon chasseur. Et est-ce que je demande encore des provisions ou de l'or? Toi, t'as quoi? Pas d'homme d'armes. Allez, hop, des provisions.
Là, je me mets à balle en provision. Et lui... Il y a des haillards, je peux toujours retenter les haillards. Cavalier en armure. Deux cavaliers en armure, j'ai pas besoin de deux cavaliers en armure. Oh, je pourrais baisser l'un. Voilà, diminuer la taille de l'un. Voilà. Alors, toi, où est-ce que tu veux aller? Ok, il est mort, donc ça n'existe plus. Donc, je voulais aller par là, je crois. Ah mais ça c'est des régions que j'ai déjà fait en soi. Ça j'ai fait. Du coup, on va peut-être y aller plutôt par le nord. Je peux pas faire tout ce grand tour juste pour ça. On va y aller plutôt par là. C'est quoi ça? C'est le dôme de Soltanier. Allez, allons au dôme de Soltanier. Pas d'autres coins spéciaux. Allez. C'est parti. Ambassadeur culturel. Non, je vais pas garder sa peau, non. J'ai perdu mon chien. Je veux un chien. À tout en intendance, réduction des dépenses, c'est pas mal. Je crois que c'était pas ça qu'il fallait. Connaissance du monde. C'est ça qui me fait. Non. Je suis à combien d'être rayonnant? Pas loin. En vrai, je fais... Oh, ce contrat, je pense, devrait me faire passer à rayonnant. J'enlève mes éclaireurs. Allez, on va essayer de rechercher des talents, plutôt. Oh, il va falloir que je me passe des éclaireurs. Que j'accepte. Est-ce que je pourrais fabriquer un truc dans mon campement en attendant? Ah, je pourrais augmenter ça. Je vais faire les outils de chirurgien. Voilà. Ah, ma petite femme! Écoutez-moi, ma petite femme, il est l'heure de vous faire la cour. Et mon niveau de gloire est maintenant bien connu. Parfait, je rentre au camp, j'ai un chien. Et après, c'est coude. Merde. Merde. C'est pas bon, ça. Médecin personnel, elle. Et chef cueilleur. Excellent. Hop là. Je vais crever bientôt, mais bon, c'est pas grave. Médecin personnel. On va te mettre là-dessus. Négociation défensive. Sécurité du voyage plus 10%, c'est pas mal. Provision. C'est l'amour. Easy S. Maintenant, nous disions donc le plus important de tous, adopter un chien. Et je peux enfin écrire les voyages de Jacques Tiécart de Saint-Malo. Il y a eu 107 lieux intéressants, 500, 1500, c'est parti. 5 en atout débloqué du mode de vie, non. Artefact des... Je vais écrire un chapitre sur tout ce que j'ai vu. Un livre. Ok, le nom de mes chiens, ce sera aimable. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Tiens, mon train de bagages. Où est-ce que je pourrais changer ça? Je vais le changer, je pense.
Et je vais faire une tente des repas, un feu de camp. Le feu de camp, c'est bien ça. Faut avoir des musiciens, des poètes errants. J'aime bien tout ça. Allez, un petit feu de camp. Et après, je pourrais faire des petits festins à ma cour. Enfin, ma cour. Alors, c'est pour aller où? En Tabriz. Tabriz, c'est là. On va déplacer tout mon camp. Ouais, comme ça, je peux même passer par là. Ah, ça me coûte tellement moins cher. Je me déplace, je peux aller là, vu que c'est une capitale. Et il y a un lieu religieux juste à côté. Allez! Comme ça, les Bretons commencent à être aimés à l'autre bout du monde. C'est en fait, je suis un vrai Breton, je me balade avec mon drapeau tout le temps. Oh! Un voyage de niveau 3! Ok, peut-être que. Ouais, voir un petit peu ce que les choses vont me proposer. Provisions, non, pas les provisions. Alors, une bonne intendance, un bon martial. J'aime bien ça. Allez, je vais prendre le bon martial. Damin. Je retourne au camp. Est-ce que je peux. Raison d'objet de haut niveau, je prends ça direct. Accepter le contrat. Pour aller où? Karakorum. Ok, je vais pas envoyer tout le camp. Et au niveau des. Voilà. Bon, alors. C'est con. C'est con que du coup, j'ai. Ah, le problème là, c'est. Du désert. Contrôle comptable. Ensuite, on a des montagnes. Qu'est-ce qui pourrait. L'équipement de survie. Pas. 1-8-1, 1-6-3. Non, ça change rien. Non, ça va pas aider. Je crois que le 1-6-3 est le mieux, hein. Et au moment où j'ai retiré mon truc, hein. Ah, les voyages de Jacques Tiécart de Saint-Malo. Si vous remplissez les conditions, c'est quoi les conditions? Vous l'entendrez de vos professeurs sous votre instrument, il y a certaines vallées grandes et profondes. Expérience mode de vie. Je viens de voir c'est quoi les conditions. Ah ouais. N'est pas le créateur de cet artefact. Ah, je dois pas en être le créateur. Très bien. Ok, mon fils. Fils premier. Lui. Ah, t'es devenu une éminence grise. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et j'ai fini mon feu de camp. Feu de camp et sûrement des trucs intéressants que je peux ajouter. J'aimerais bien avoir un petit. Ah, musicien, c'est pas mal. Un débat nocturne, j'ai pas, mais du coup. Libation pour les morts. C'est pas mal le feu de camp. Allez, on va faire un petit musicien en premier lieu. Ouah, j'ai de la route. Et je suis que là. Bon, on va gracier, hein. Et voilà. Surtout pour avoir moins. Toi! Nous avons une amitié, mon ami. Ça me donne quoi d'avoir autant de gens heureux? Putain, ça va vite. Hein. Résistance de l'armée. Oh, il y a tout le monde qui m'aime. Oula! À prendre, par exemple.
Ah, ok. Qu'est-ce que tu pourrais obtenir? Ça. À mon avis, un peu d'érudition et de poids, c'est pas mal. Pas mal ça. Oh là 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 là, mais je deviens pote avec absolument tout mon camp sans aucun problème. Ok, j'ai un poste de garde vacant, je viens de le voir là. Il y a un gars qui est mort chez WAM. Maître Barde! Maintenant que c'est construit, c'est vrai que je peux avoir un maître Barde maintenant. Ce sera ma femme en plus. Toi, t'es moyen, t'es mon second, mais t'es moyen. J'ai désolé, je vais pas avoir quelqu'un d'autre. Hein. Chasseur, il est moyen également. C'est pas fou ça, j'ai un gars qui est bon là. Compétence bonne, désolé mon gars. Bonne, excellent, bonne, excellent. Ok. Pour l'instant, on va rester comme ça. Ouah, j'ai réussi 600 points. C'était long, mais j'ai réussi. 226 de moula. Hein. Désolé, hein, mais... Allez, et retour. C'est quoi ça? Faudra que je vois ce que c'est que ce succès après. Le campement, je pourrais l'améliorer. Hein. On va améliorer le feu de camp un petit coup. Je sens que le jeu il a du mal. Là, je vais faire une petite sauvegarde rapide parce que ça m'inquiète un peu. C'est vraiment la confrérie. L'aventurier du marteau. Non. La confrérie du Tiekar. Enfin. Quelle drôle d'idée. La confrérie du Tiekar, bien sûr. Ça te pourra assembler des provisions, ça, ouais. Il m'a pris du gibier parce qu'il dit qu'il a rassemblé du gibier et j'ai pas l'impression qu'il en ait pris. Oh, ça a du mal là, le jeu il a du mal pour tout ça là. Par contre toi, pourquoi on ken pas là exactement? J'ai envoyé un petit poème. Détaillant son incompétence. Allez, une œuvre sur l'amour. Ah, ça a du mal à déplacer, surtout si on... Je peux comprendre un peu, mais ça a du mal. Ok, j'ai cru comprendre que quelque chose me permettait de faire une demande où je voulais. Alors, est-ce que je pourrais embaucher quelqu'un? 280... Oh, il est bon! Oh, il est très bon, lui. 28, 23. Je vais prendre le 23. Blush. Blush. Copti 13, 19 et 18. Mamia, 127. Allez. Visitons le terrain d'entraînement. Non. Hop. Finito. Alors, toi, où est-ce que tu veux aller, là, qu'on rigole? Escorter l'émissaire en Baserie. Ah, c'est loin. Hein. Je vais y aller à Yep.
Oh, et ce serait l'occasion de faire un gigatour. Et bah tu sais quoi, on va enlever ça pour l'instant. On va personnaliser l'itinéraire de là jusqu'à revenir. Ouais, allez. 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 Et allez encore. Et ça c'est pour après. Alors, il va me falloir absolument des mercenaires. Non, je pense pas que ce soit le mieux. Exploration, ouais, c'est ça qui me paraît mieux. Allez, c'est parti! Ah, j'avais pas vu que je passais par l'eau. Quel con. Ça, je veux bien ça. Alors, 1200 en provisions serait pas mal. T'as pas un petit régiment d'hommes d'armes intéressant, quoi. Je vais piéter archer, cahier. Ah, intéressant. Et l'or, c'est pas beaucoup. Allez, on va prendre des provisions. Je fais son contrat rapidos, puis après, je me fais un voyage. Oh, j'ai une fille. Une petite fille. Tu sais quoi? Tu seras aussi une diplomate. Et je vais t'éduquer. Oh, je fais des tours là. En plus, ça me rapporte du fric cette affaire. Allez, on améliore tout le campement. Genre vraiment un camp sur-spécialisé. Ok, doucement, calmons-nous. Est-ce que je peux avoir un homme d'armes intéressant? C'est Airuzi. Ça pourrait être intéressant si j'arrive à choper ça. Monaspa. Tiens, j'ai pas vu ce que c'était que ça. Monaspa. Oh. Oh, c'est encore mieux. Type cavalerie lourde. Oh, c'est bien ça. Ah, mon deuxième fils est adulte. Oula, 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 non. Hop. Alors. Une carte, j'ai l'impression. Carte illuminée de Koumans. Diplomatie 3 et érudition 3. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Je pense que je vais enlever ça et je vais mettre ça à la place parce que ça, c'est si je ne suis pas l'auteur. Donc autant enlever ça. De faire un tour de carte là. Pa pa pa. Corel obtient, oula. Un autre régiment d'hommes d'armes, ce serait pas mal si je pouvais. Ah non, c'est cavalier léger. De l'or. Un de bagage, après j'améliorerai la tente de barbier, je pense. Et après j'irai vers l'ouest. Voilà, je suis rentré. Alors, que peuvent me proposer ces petits contrats? Où est-ce qu'il veut aller, lui?
à Punic. C'est par là. On peut commencer à voyager par là et on va passer par... Ah, je commence à arriver vers Jérusalem, l'Égypte. On va faire un grand tour, à mon avis, vers toutes les régions arabes. Et ensuite, on ira à Constantinople. Et après, on fera l'Europe. Il y a l'Angleterre qui sera intéressant, l'Ibérie, bien sûr, la France. L'Italie, tout ça, il y a surtout beaucoup de lieux saints ici. Ok, on va se rajouter un petit passage par ici. On va enlever ça et on va enlever ça. 531 en provision, c'est bien ça. Encore plus de prestige, je deviens un individu extrêmement prestigieux. L'Empire byzantin repousse un peu Roum. Comment il est l'Empire mongol? Oh putain, l'Empire mongol. C'est vrai que je risque de plus voir grand chose là si je me dépêche pas. Alors, est-ce que t'as des hommes d'armes intéressants? Archer, Pieta, des Aïrudzi. J'ai déjà que... Ah, dans tes Aïrudzi, j'en ai pas. C'est un autre type de cavalerie. Je vais essayer. Cavalier en armure. Ouais, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, mais au moins, ça rajoute sur ceux qui y sont. Non, je vais diminuer la taille. Quand déplacer à Mushk. Ok, qu'est-ce que je pourrais trouver d'intéressant à Mushk? Qu'est-ce qu'on pourrait embaucher? Pas mal. Oh, une bonne diplomate. Je vais rester sur la bonne diplomate, Agavni. Et là, il y a un gros contrat en diplomatie, on va se le faire. J'ai raté mon contrat, pas très grave. Alors, où cela m'amènera-t-il? Vous rentrez en Byzantion. Ah, ok, bon, pourquoi pas Byzance d'abord? Pourquoi pas Byzance d'abord et après je repasse par en dessous. Ouais, je peux faire comme ça. Tac, crac. Ok. Alors, par contre, je prends tout de même grand soin de passer par ici. Limite un peu mes risques et il me faut aussi une recherche de talent et mon diplomate. Avec ma thune, est-ce que je pourrais construire autre chose? Dans ma tente d'approvisionnement. Merde, blessure aggravée. Merde. Mode de vie d'enfant, c'est pas dégueu. Ouais, c'est que une fois, c'est ce qui me semblait. Forge itinérante, pareil, c'est que un niveau, ouais. Le matériel d'escalade, c'est pas mal. Danger en montagne, moins 20. Danger en montagne désertique. Allez, matériel d'escalade. J'adore. Alors ça j'adore. Bon, je suis arrivé à Sainte-Sophie, j'ai visité la grande cité de Byzantion, j'ai obtenu des moult artefacts. Je suis king. Ah, je pense qu'on peut dire que je suis king. Et je peux aller pêcher un petit coup. Ok, je vais quand même redéplacer livraison d'objets. Ça irait vers où ça? Pour voir. En Turuberan. Ah, ça m'arrange. Ça me fait repasser par là où j'ai envie d'aller. Par ici. Je pense que c'est le dernier contrat que je vais faire sur cette petite partie. Voilà, je passe par là. Je vais passer directement. Turuberan est loin. Ok, on va passer par là. Là, puis là, et pour être sûr de rien louper, on va repasser par là.
pas trop vérifié le danger en soi. Comment je suis en tant que... Geomax. Commandant polyvalent, c'est bien. Donc, rien ne se passe. Je sais pas où c'est ce truc. Je vais l'abandonner du coup. Qu'est-ce que je vois par ici d'ailleurs ? Ah, j'ai fini mon matériel d'escalade. Bien. Ah, voilà, là, je peux voir l'église Saint-Lazare. Il y a le petit modèle 3D ici, là. Pas mal. J'ai amélioré mon feu de camp. J'en vois des trucs... résilience mentale. Voilà. Rassembler des provisions. Voilà. On va envoyer les cueilleurs. Est-ce que tout le monde est bien embauché? Tout le monde est bien embauché. J'ai pas de larbin, j'en ai pas besoin. Vous avez perdu, vous avez obtenu le trait balafre. Oh, des balafres. Ça me donne un peu de prestige, ça, je crois. Il y a du trait de balafré. Faut que je fasse quoi pour augmenter ce trait? Faut que je me casse la gueule avec des gens. Un peu con. Un peu con. Allez, un petit dernier truc en diplomatie. Je vais prendre. Et ensuite, je pars vers l'Égypte. Merde. Je sens que Maravan, il faisait quelque chose de pas dégueu en plus. Quand satisfait, hop. Ah, c'était mon chef cueilleur. Ah, peut-être un régiment d'hommes d'armes, qui sait. Non, allez, 600 en provision, comme ça je suis bien. La duchesse Vartanouche, par contre. Elle avait ces trucs-là, les Yairouzdi, j'aimerais bien des Yairouzdi. Ne menace pas. C'est quoi déjà les menaces? Ah, c'est peut-être ce que j'ai déjà eu. Ah, oui, je vais garder. Ah non, je vais pas garder. Ah, j'ai perdu mon mètre carré. Merde. C'est important ça, les caravaniers. Heureusement que j'en ai une qui est excellente. Ok. Allez, je pense qu'il est l'heure d'aller en Jérusalem. Pour voir le dôme du rocher. Voilà, magnifique. Ouais, mon petit voyage, j'y vais être tranquille. Ah, faudrait que je fasse comme ça là. Tac, tac. Ouais, j'avoue, en Afrique. Est-ce que j'ai envie d'aller en Afrique là? J'ai envie d'aller là, là, de retourner tout là-bas, là. Après, je pourrais faire... Il y a des régions que j'ai pas pu voir parce qu'elles se sont construites entre-temps, forcément. Rima, là, du coup, j'ai pas pu voir. Potala, il y a quoi d'intéressant en Potala, maintenant? Ah, j'ai opé un point, là. Je passe en Naplouse. Oh, je suis bien là. Allez, on commence à déplacer le camp, mais... Ah, malheureusement, c'est pour la prochaine fois. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis ciao à tous et à la prochaine.